Je t'explique au contexte. Moi, je dors dans une grande pièce, le salon, qui est grand, avec un convecteur sous-dimensionné, mais ça limite, ça m'arrange parce que ça oblige à avoir une inertie faible et ça évite, ça limite un petit peu le gaspillage. Bon, c'est pas le meilleur moyen de se chauffer. Hein. Je dis pas qu'il vaudrait pas mieux que je le remplace par un radiateur, mais je fais avec ce que j'ai. C'est de la récup, j'ai trouvé à la poubelle. En attendant de changer par autre chose, ça me dépanne pour pas tomber en malade l'hiver. Mais le truc, c'est que ça chauffe. Je le mets à un thermostat, petit thermostat, thermostat 4, la nuit. Comme ça, je tombe pas malade, mais c'est pas vraiment pour être confortable. Vu que la pièce est grande et la maison mal isolée. Mais déjà, ça m'intéresserait d'éteindre cet appareil, je sais pas, sur les coups de 19h quand les personnes ont fini de manger dans le salon, qui se rallume vers 1h30, je crois, le début de l'heure creuse chez moi. Et je voudrais qu'il coupe environ une demi-heure, 1 heure avant que je me lève, parce que c'est vrai que bah, j'ai pas envie de me lever à 1h30 du matin pour allumer mon radiateur, surtout quand je suis chaud sous la couette et à force que le radiateur est éteint depuis 2-3 heures et qu'on est en hiver. Et puis je culpabilise que ça chauffe 1 heure avant le début de mon heure de lever. Vu l'inertie de la pièce, la dernière demi-heure de chauffage, la dernière heure de chauffage, elle est perdue, puisque vu que moi, la première chose que je fais, c'est ouvrir tout en grand pour aérer mes draps, pour refroidir mes draps et pour refroidir toute la pièce. Et surtout pour renouveler l'air de toute la pièce, qui est la pièce principale à vivre, avec de l'air frais. Donc j'ai acheté ça dans l'idée que je pourrais peut-être faire des économies d'énergie, puisque ça va le couper. Je sais à peu près quand est-ce que je me lève. Donc il va couper une demi-heure, 1 heure avant que je me lève. Et peut-être même que je le ferai démarrer avec ça au début de l'heure creuse, de manière à ce que ça chauffe que dans les heures creuses. La traduction m'a pas l'air excellente, hein. Bon, ben ça fait plusieurs nuits, ça doit faire 4 nuits je pense au moins, que j'utilise et je suis très satisfait, ça marche très bien. Je précise que dans la pièce en question, là où j'utilise ça, j'ai un détecteur de fumée et un détecteur de monoxyde de carbone. Si c'était pas le cas, j'aurais peut-être pas testé la première fois la nuit, parce que si jamais il y a un problème, comme c'est quand même la première fois que je le teste. Bon, c'était quand même un petit peu risqué de faire ça. Mais avec les détecteurs, bon, c'est pas parce que j'ai les détecteurs que je dois faire n'importe quoi. Mais ça aurait été peut-être mieux de tester par le créneau heure creuse de l'après-midi. Bon, d'ailleurs, donc là, ça fonctionne bien. Ça s'allume à 1h28. Et ça s'éteint à 5h du matin. Très bien. Donc, comme je me lève, enfin, je suis pas tombé malade, il fait pas trop froid. Et puis le convecteur est bien froid, donc je pense que je gaspille moins d'électricité. Mais maintenant, je voudrais rajouter un deuxième chrono pour qu'il démarre également à 14h30.
et qui s'arrête à 16h30 environ. Donc on va faire ça ensemble. Donc j'appuie une fois sur timing setting. Donc là j'ai ma première alarme, vous voyez le numéro 1 là. Si je réappuie, je passe à l'heure de fin. Je réappuie, donc là c'est le deuxième programmation. Et j'en ai aussi une troisième. Voilà, c'est trois maximum. Donc je touche pas à la première. Donc là on a la deuxième. Ok. 14h et 16h. Enter. Et voilà. Timing setting, voilà ma première alarme. Voilà la deuxième. Et le troisième, pour le moment, j'en ai pas besoin. Ok. Hey, il est 14h27. Si tu appuies sur off, ça marche pas. Faut que tu appuies sur Enter. Et là, il prend compte. Mais si j'appuie sur off, c'est coupé totalement. Quand tu appuies sur off, ça fait interrupteur ouvert. Donc il faut, pour que ça prenne en compte, il faut appuyer sur Enter. Voilà. Et voilà. Donc il a coupé. Là, effectivement, ça a coupé. Bon, ça va être encore chaud 2-3 minutes. Et puis il affiche 1h28 parce que 1h28 c'est le prochain créneau. Bon voilà, ça fait quelques jours que j'utilise donc avec les deux plages horaires, la nuit, de 1h30 à 5h du matin, de tête. Ensuite là, ça va redémarrer à 14h26, début des heures creuses, et ça s'arrête à la fin des heures creuses. Donc là, on est 9h du matin. Il a arrêté le convecteur à 5h du matin. Je me suis levé, j'ai pu aérer la pièce pendant 1 heure. Et là, je voudrais que bébé puisse venir dans la pièce, donc il faut que je chauffe. Et il me reste une programmation de plage horaire. Donc j'aimerais bien la faire démarrer maintenant, mais genre chauffer pendant 2 ou 3 heures. Comme ça, je mets un petit thermostat. Et je me demandais si j'allais pas le faire avec vous. Donc il a fallu que j'appuie là-dessus pour pouvoir accéder aux plages horaires. 1h28, 5h, j'y touche pas. Celle-là, j'y touche pas non plus. Ok. Donc là, il est 9h04. Donc, je vais mettre 9h, tiens. Je vais voir s'il démarre a posteriori. 9h, ok. Et je vais lui demander de chauffer. Comme ça, je n'oublierai pas d'éteindre. Ben voilà, oui, il a bien. C'est bon, a posteriori, il a démarré là. Donc c'est bon. Bon, rien m'empêchera d'affiner mes plages horaires en fonction des retours d'expérience concrets. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les noms des outils que j'ai utilisés et je vous ai mis références précises. Je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher justement à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique astuces pour la maison, pour celles et ceux qui veulent
devenir chaque jour plus capables de réparer et entretenir eux-mêmes leur foyer.